Monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le président de la Fédération mauritanienne de football, Monsieur le secrétaire général de la Fédération mauritanienne de football, Messieurs les membres du comité exécutif, Messieurs les membres de la commission des arbitres, Monsieur le président de la commission des arbitres, Madame, Messieurs, en vos rangs et qualités. Donc c'est encore un réel plaisir pour moi de prendre la parole ici au nom de mes camarades instructeurs de la FIFA, mais aussi les instructeurs nationaux de la Mauritanie, pour magnifier l'activité que nous venons de finir, que nous allons finir tout à l'heure. Donc 7 jours durant, nous sommes rassemblés ici dans cette salle, mais aussi dans ce beau centre technique sur le terrain de jeu, pour échanger, non seulement échanger, mais aussi essayer de voir les arcanes de l'arbitrage et les astuces que nous pouvons partager avec nos jeunes collègues quant à leur future mission sur les terrains de Mauritanie, mais aussi les terrains d'Afrique et du monde. Donc je pense que depuis quelques années, les arbitres et les assesseurs ont dû comprendre que l'arbitrage a cessé d'être un jeu, tout simplement. Beaucoup d'abnégation, beaucoup de savoir-faire, mais beaucoup d'apprentissage pour frotter les acquis avec ce que les autres vous apportent. C'est pour que vous avez dû voir et comprendre que nous avions cette année passé beaucoup plus de temps sur le terrain que dans la salle. C'est vrai, on ne peut pas, quand on parle d'un cours, on ne peut pas se passer, n'est-ce pas, des échanges théoriques. Nous l'avons fait, mais vous avez dû comprendre que les exercices intégrés que tous les instructeurs réunis, ceux de la FIFA et ceux locaux, ont dû mettre en œuvre pour essayer, n'est-ce pas, de trouver, comme on appelle, des raccourcis aux arbitres et aux arbitres assistants quant à leur activité de direction des matchs. Mais c'est vrai, Monsieur le Président, il est très tôt de tracer un bilan. Quand on sème une graine, on attend forcément la récolte. Et cette récolte ne se fera pas forcément devant nous, mais se fera devant les responsables du football mauritanien, parce que nous sommes au milieu du championnat national du pays et les gens feront certainement une comparaison entre ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et ce que vous ferez d'ici la fin du championnat de Mauritanie et les autres compétitions que la fédération ou les ligues régionales auront à organiser sur le territoire national. Mais aussi les internationaux qui sont parmi nous, qui ont eu la chance de partager cette expérience avec nous, nous devons aussi espérer que leurs prestations futures sur les terrains africains et les terrains du monde montreront à souhait et le trajet parcouru par les arbitres mauritaniens dans leur quête, n'est-ce pas, du sommet. Aux assesseurs qui sont les aînés des arbitres, qui sont leurs accompagnateurs, qui ont pour rôle, n'est-ce pas, de conseil et, n'est-ce pas, comment on appelle ça encore, de conseil, mais aussi de leur donner des astuces quant à leur travail, à ces assesseurs aussi. J'ose espérer qu'ils prendront leur travail avec le plus grand sérieux pour booster leurs jeunes camarades. Donc c'est sur ces entrefaits que je souhaite à chacun d'entre vous de rentrer dans la paix de l'âme, dans sa famille et trouver sa famille dans la paix et dans la santé. Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala nabiyyil karim. Je dois d'abord vous remercier, cher ami Magassa Sidi Bekay, aussi à vous, Lim Kishong, et votre ami Mademba Mbake, qui est absent aujourd'hui, enfin, qui n'est pas dans la salle. Vous remercier pour tout ce que vous faites et au nom de tout l'arbitrage mauritanien, votre abnégation pour réussir ce cours. Cependant, je dois prononcer mon mot en arabe, étant donné que j'ai prononcé le mot d'ouverture en français. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabihi al-Karim. Sayyid Mumathir Wizarat al-Shabab wa Riyada, Sada A'da al-Lajna al-Tanfidhiyya,
السيد مسؤول التحكيم في شبه المنطقة، السادة المحاضرون، إخواني الحكام، السادة الإعلاميون، إخوتي أخواتي، يسعدني أن ألتقي بكم اليوم مرة أخرى في حفل ختام دورة الطراز الرفيع للحكام والحكام المساعدين ومقيمي الحكام المنظمة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لصالح اتحادنا. أخواتي إخوتي الحكام، خلال أسبوع كامل تلقيتم عروضاً نظرية وأخرى تطبيقية حول قوانين كرة القدم تأويلاً وتطبيقاً، وتناولتم بالدرس والتحليل مستجدات هذه القوانين وتقنيات تطبيقها على يد محاضرين أكفاء برهنوا خلال هذه الدورة وغيرها من الدورات المنظمة عبر القارة على مجاراة نظرائهم في الخارج، كفاءة في الأداء ونزاهة في التقييم من جهة أخرى. وإني أصالة عن نفسي ونيابة عن كل فرد من أفراد التحكيم الموريتاني أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان للاتحاد الدولي لكرة القدم ولمسؤولي التحكيم في شبه المنطقة السيد ماغاسا سيدي بكاي والمحاضرين ليمكي شونغ ومادمبام باكي على هذه المساهمة المتميزة في الرفع من مستوى التحكيم الموريتاني وكرة القدم الوطنية بشكل عام. والشكر موصول كذلك للمحاضرين الوطنيين الذين رافقوهم في كل مراحل هذه الدورة ولرئيس لجنة الحكام ومنسق الدورة على حسن تنظيمها. إخوتي أخواتي الحكام، لا شك أنكم تدركون جيداً جسامة المسؤولية الملقاة على عواتقكم في قيادة وتقييم المنافسات الوطنية والدولية بنزاهة وحكمة وتبصر، بعيداً عن أي سلوك منحرف أو مخل بسلامة اللعبة، بما يضمن التعاطي بروح المسؤولية والمنهجية السوية مع نفسية اللاعب وحرمة المسؤول والمدرب والمشجع والإعلامي، حتى يكون التحكيم الموريتاني عاملاً مساعداً على النهوض بكرة القدم الوطنية وليس عائقاً في وجه ذلك النهوض المنشود. وسعياً إلى ذلك، فإنني أدعوكم إلى توظيف كل ما اكتسبتم من معلومات قيمة خلال هذه الدورة من أجل بلوغ هذا الهدف النبيل. وإن اتحادنا لماض بحول الله في تطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة، ولن نتوانى تبعاً لذلك عن معاقبة من يخل بواجبه بقدر ما لن نتوانى عن مكافأة الذين يؤدون واجبهم بكل جدية ونزاهة. أخواتي إخوتي الحكام، تلكم هي مقاربتنا التي كانت وما تزال للتحكيم في ملاعبنا، وهي مقاربة منبثقة من رؤيتنا الراسخة بضرورة العمل على إتقان كل جزء من منظومتنا الكروية في آن معا، سعيا إلى ما يخدم عملية النهوض بكرة القدم الوطنية بشكل عام. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.